Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scala Fishing et aujourd'hui on se retrouve pour wakifier, pour Texas riguer, pour stick baiter. Vous l'avez compris, on va pêcher du bass. Enfin, on va essayer de pêcher du bass. Voilà, on est sur un joli petit étang qui doit faire à peu près 2-3 hectares seulement. Un étang qu'on connaît très très mal. Donc là, on va essayer plusieurs techniques, notamment déjà le worm en waki comme vous voyez. C'est pas compliqué, c'est un hameçon waki et un ver piqué dessus, comme ça, voilà. Et ça, on le met sur la tête des basses à vue. C'est une pêche assez fun. Souvent, faut être discret, on va essayer d'approcher les bordures assez calmement. Pendant que Canito, lui, s'essaye au stick bait. Voilà, c'est un peu tôt, on va essayer de les réveiller un petit peu. T'es chaud? Bon, allez, on se retrouve pour le premier fish de la journée. Poisson! Putain, merde, c'est chaud, hein. C'est hot. C'est galère, hein. Oh, il fait chaud. Yeah. Wouh. Ah ouais. Wouh. Joli. Il fallait le chercher, celui-là. Hein. J'ai lutté, hein. Alors, j'ai posé, mais alors sur le pif. Ah ouais. Sur le nez, quoi. Combien il fait, t'as un mètre là? Ouais. Il mesure vite fait. Beau basse, putain, franchement magnifique. Hein. Tends-le un peu. Ouais. Combien? Au fond de la bouche. Allez. 41. 41, ça y est, mon 48. Ouh. Allez, je vais le remettre là. Moi j'ai eu deux refus encore. Ah, mais là j'ai vraiment. Ouah, j'ai insisté. Hein. J'ai eu deux refus sur des petits mais bon. Excellent. Excellentissime. Yes! Bon, souvent sur les poissons super éduqués comme ici, c'est les petits détails qui font la différence. Donc je vais vous montrer deux petits détails. Donc le premier détail en fait, c'est un insert. Je sais même pas où il est. Un petit insert en tungstène en fait que j'ai glissé. J'ai glissé dans la tête du ver. C'est comme un petit plomb en fait. Ça leur permet de le présenter en fait de cette manière, un peu en travers. Puis le deuxième petit plus, ben, c'est ça. C'est un peu attractant. Alors celui-là, c'est écrevisse. Parce que pour un ver, je vois pas trop quoi mettre comme attractant. De toute façon, dans tous les cas, j'ai pas autre chose. Donc voilà. Un petit peu d'attractant. Ça, on le met devant le nez du bass et comme on vient de le voir, ça peut fonctionner. Je vais réessayer d'en trouver d'autres. Poisson! Putain, il était dans l'arbre. Putain. C'est celui qu'on repère. Allez, sur. Ouais. You. J'ai à peine piqué. J'ai du bol. Piqué. Youhou. Ah ben c'est cool. Yes. Pareil, je l'ai vu aussi celui-là. Bon. Je l'ai vu monter, il est monté, j'ai proposé, bim, il a tapé. Bon, tu veux pas un peu l'autre temps, t'es sûr? Yeah. Yes. Woo.
cool. Nickel. Poisson. Jérôme. C'est pas vilain en plus hein. Hein? C'est pas vilain du tout du tout. Oh putain. Amenez. Je sais pas si je le sors celui-là. Attends. Tu vas me tenir la canne? Vas-y, change la batterie. Bon, c'est pas grave. Putain, mais il est... Oh là là. Ah, je... C'est pas gagné, hein, encore. C'est bon? Oh, c'est what? Allez, viens Coco. Yes. Ouh. Putain, il est piqué par là. Un poil, quoi. Wow. Putain, il est joli aussi. Yes. Il est beau celui-là. Ouais. Putain, on va le mesurer, vite fait. On va le mesurer, hop. Il y a vraiment des belles bêtes ici, hein. Le même. Attends. On va prendre le attends, il faut tirer la bouche. Tiens la bouche, même plus, il fait plus 42. 42. Tiens, tu peux filmer le release? Je suis pas sûr de pouvoir. C'est moi qui filme, je crois. Parce que là, j'ai la main dégueu. Pur combat. Ah, c'était énorme. Yes. C'était énorme. Ça tue. Celui-là, je l'avais pas vu par contre. Hein. Il fallait voilà, là-dessous. C'est ma petite cabane, c'est là où je pêchais. Poisson. Ah, décroché. Décroché. Je l'ai pas piqué. S'il m'échappe pas. Et voilà, Canito, il a un fish. Tu veux que je le tienne, il faut le dropper, je crois. Ouais. Ah ben. Il est beau. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ben voilà. Il commençait à faire la gueule. Je le sentais. Bon. Non. De la chance, j'ai plus de batterie, ça fait mon corps, je sais pas comment ça se fait. Yes. Nickel. Allez, vas-y, si tu veux lire, lis. Impec. Yes, j'ai tout, trop bien. Yes. Ça, je kiffe ça. Ça voit kiffi. Tu cherches des figues ou tu pêches? Tu sais que derrière toi il y a un panneau réservé aux pêcheurs quand même. C'est pas énorme ça. Pour une fois qu'il n'y a pas un panneau interdit de je sais pas quoi.
Il y a un joli basse là, posté. Alors lui, ah non mais je vais m'allonger, tu sais quoi. De ouf. Ah là là. C'est quasiment impossible si je ne loupe pas. Aïe, ortie. Ah, je l'avais. Putain, le con. Je l'avais. Et le bras dans l'ortie au passage. Ah, ça pique. Ça pique. Bon, ça n'empêche pas que t'es un peu blasé quand même. Je te mets une tôle là. Un peu. Ah non, mais là-bas j'étais blasé. Quand je suis arrivé là-bas, je pêchais pas comme il faut. C'est surtout de pas pêcher comme il faut qui me fait chier quoi. Surtout que je te mets une tôle aussi. Non, mais tu peux le dire. Enfin, je veux dire, il y a. Je me l'ai mis assez et je peux en profiter un peu quoi. Je veux dire. Pour ça, je vais le laisser ici. Et il change de sujet, vous avez vu. Attends. Et maintenant, on va attaquer le deuxième tour. Et attention, deuxième tour, deuxième manche. Round 2. Jeremy Canico. Ça y est, il part en avance, regardez. Voilà, moi je suis encore au café, il part en avance. Tricheur. Oh putain. Poisson, je suis tombé dessus. Merde, non, je l'ai pas vu sauter. T'es beau hein. On est d'accord, il était beau. J'ai pas laissé la canne. Ah, il m'a défoncé la canne. Poisson. Fish on. Je me demande si c'est pas le même que tout à l'heure. Wow. Oh putain. Il est où ce poisson? Ma parole, c'est énorme. Ah, et voilà. J'y crois pas. Putain, cassé. Ah non, mais pas décroché. Tu viens de décrocher un putain de basse, mon pote. Ça va faire pas mal le décrocher là. Va falloir arrêter le prochain. J'y mets un ferrage de bâtard. Avec Aleto, on vient de trouver le bass le plus intelligent du monde. C'est même plus de l'éducation là, c'est à ce niveau là, c'est du foutage de gueule. C'est même plus on le dérange en fait. On peut le taper dedans. Il s'en branle complet. Il fait pile 40. It's a chunk. Yeah, cool.